Nous retrouvons eh bien, toute l'équipe d'À la bonne heure et également nos invités, Jamel Debbouze. Et puis alors un autre invité que Jamel va nous présenter en direct du palais Es Saadi à Marrakech pour les Marrakech du Rire. Alors c'est votre ami russe. C'est mon ami russe, Alban Ivanov, qu'on applaudit. Un tonnerre d'applaudissements. Bonjour. Vous en entendrez parler, c'est certain. C'est la scène émergente, c'est le futur du comique. Moi j'ai vu un de vos sketchs qui est le foot. Comme tout le monde, Stéphane. Oui. C'est hilarant, c'est très très drôle. On Merci sent beaucoup. Que vous avez essayé de faire une carrière dans le foot et que ça n'a vraiment pas marché. Ça sent le vécu, hein. Ouais, c'est du vécu. Ouais. Bah, c'est les rêves quand on rêve d'être en Ligue 1, mais il nous faut 25 ans pour y arriver. Oui. Voilà. On a tous connu quand on a un peu joué ces équipes comme ça terribles contre lesquelles il fallait jouer. Mais il a fait ce sketch au Marrakech du Rire l'année dernière. Oui. Standing Ovation, ouais. Et dans la semaine, il a fait 5 millions de vues. Ouais. Bonjour, mais venez, incroyable. monsieur, venez vous asseoir là. Il y a Franck Dubosc, dites bonjour, yeah. Franck Dubosc. Ouya. Voilà, monsieur Franck Dubosc qui vient présenter ce soir. Je m'en rends compte juste qu'on fait une émission de radio juste à côté de chez moi, là, je vais dormir. On vous gêne ? Vous faites un boucan de dingue. Je ne suis pas invité, je vous déteste. Oui. Mais on va se voir bientôt. Mais je viendrai quand même. Oui, on va se voir bientôt, Franck, parce que revenez demain. Et surtout, vous allez présenter ce soir Camping 3. Voilà, donc ça va être l'événement ce soir. Franck, votre clé, c'est très pratique. Hein, une clé de 3 mètres carrés. ça se voit qu'on l'a réveillé. C'est la première fois que je vois un campeur avec une clé d'hôtel. Bravo, Régis, très bienvenue. Alors, pour la suite, je vous propose maintenant la question imposée à poser. C'est une question que je n'ai pas écrite, que je n'ai pas lue et qui est proposée à Jamel. Question que vous n'avez pas écrite et que j'ai même pas lue. Et que j'ai même pas lue. C'est une question relou, ça. Ouais, c'est pour ça que quand tu te la passes comme ça, c'est une question que j'ai pas lue, que je n'assume pas, qui va te casser les bras. Non, mais c'est tous les jours. Tu vois, tu m'aides à la lire. Pensez-vous que les propos que vous avez tenus sur les... Pensez-vous que les propos que vous avez tenus sur l'équipe de France déclencheraient un tel tremblement de terre ? Et la terre a tremblé ? Oui, un peu. Ah bah l'affaire, c'est devenu l'affaire Benzema maintenant. J'ai cru entendre. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de proportions. Je suis un citoyen avant d'être un comique. Et j'ai livré un sentiment. J'aurais jamais cru que ça prenne autant de place. J'en suis désolé. Comment on peut faire maintenant pour calmer le jeu ? Être avec les Bleus, être tous derrière l'équipe de France. On a un euro à gagner, ça c'est important. Oui. Et puis ne pas les perturber avec nos conneries. Je voudrais juste en profiter pour dire à Didier Deschamps que je suis avec eux. Voilà. Oh, super. Merci beaucoup, Jamel. Ce que je vous propose, c'est maintenant, il y a une épreuve dans votre vie. Vous y attendiez plus. Attendiez pas, pardon. Il faut comprendre ce que dit Stéphane. Arrêtez de parler comme dans un instant, vous allez devoir comprendre ce que dit Patrice Carmouze. Parce qu'on va refaire la bande originale de votre vie, Jamel. Oh. Et oui, en musique, il va falloir deviner les tubes qui ont jalonné votre existence. Ah. Et nous sommes toujours en direct de Marrakech. Les Marrakech, 6e Marrakech du Rire. Avec Jamel Debbouze et Alban Ivanov. Moi, je ne dirais rien contre ce garçon parce que d'abord, il a l'air très costaud. Il est sympathique en plus. Il est très sympathique. Il a plein d'amis russes. C'est plus du gras que du muscle. Je n'ai pas été tâté. Alors, je vous crois sur confiance. Vous pouvez, c'est mon corps, toi. Je n'ai pas été tâté. Ça sentait qu'il voulait tâter. Non, mais non. De toute façon, je n'ai pas été tâté. Écoutez, Stéphane, vous allez me tâter. En tout cas, j'irai vous voir. Parce que j'ai très envie de voir un nouveau spectacle. Franchement, venez voir. C'est surtout ça qui est essentiel. Vous ne perdrez pas votre temps, Mais je le sais, je le sais. Alors là, je ne vais pas perdre votre temps. Vous avez avancé à tâtons, en tout cas. Oui. Patrice, c'est votre grand moment. C'est le grand moment de Jamel. Et de Jamel. Alors, je vous laisse pour un peu d'intimité entre vous. On va faire deux équipes. Oui, si vous voulez. Alban, Jamel et vous. Oui, contre le reste du monde, c'est-à-dire Eric et Régis. Alors. Ce sont des chansons, voilà. Il y a quelques dates de votre vie. Les dates, c'est important ici. Et les dates, c'est que c'est important. Et qu'est-ce qu'on chantait à ces moments-là? Il faut deviner qu'est-ce qu'on chantait. On va écouter la chanson. Presque, qui chantait? C'est presque plus simple quand vous dormez pas, en fait. Première date, 75, la naissance de Jamel. Et qu'est-ce qu'on chantait à ce moment-là? Nicole Croisi, femme avec toi, je sais pas quoi là. Ouais. Être une femme. Il n'a pas encore entendu. Ah mais il avait pas le casque. Nicole Croisi, femme. Ouais. Voilà, bravo. Non. Ouais, bien joué Jamel. Bien. Ça c'est bien. Il attend que tout le monde dise des bêtises et il ramasse sur le tapis. Vous êtes très fort Jamel.
Je crois que c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'était ça. 88, c'est un trap avec Alain Degois. Vous faites un peu de l'improvisation. Ouais. Et on chantait quoi à cette... Attention, parce que là, Eric va être fort là-dessus. Ah, début de soirée. Ah, début de soirée, monsieur. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. C'est notre enquête t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. J'appelais en grand après un crime de folie. Ah, ça vieillit pas, hein. Ah oui, ça ne ouais, vieillit pas, ça. Bien sûr. Nous, un peu plus. Mais chansons, non, non. En revanche, eux aussi. Eux aussi, hein. Eux aussi, un peu. Ah, 88, tu dis, c'était ouais. ça ouais. Putain, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Et 60. Allons, maman Bobo, c'était quelle année 60... Ah, c'est un peu plus ancien, ça. 74, 75. Non, 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 c'était 80. Non. 82, je crois. Non. 83, je crois. On va appeler. 84, je crois. Appelons l'instant. 83. Non, non, parce qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps. 95, c'est Radio Nova. Ouais. Et c'était le début d'un groupe. NTM. Exact. Ouais. Salut, ah ouais. Je l'ai dit avant même que ça démarre. NTM, ce fan de groupe. Il est fort. La NTM, qu'on appelle NTM. Également fin de soirée. Ça s'appelait ouais. Paris sous les bombes. Paris sous les bombes. Paris sous les bombes. 98, Zonzon, le film. Yes, Zonzon. Hein, Zonzon. Laurent Bounic. Absolument. Et on chante, il y avait aussi un gros, gros succès à ce moment-là. Garou. Notre-Dame de Paris. Paris. Ouais, ouais. Qui revient. Notre-Dame de Paris revient. Bien, donc, bien, bah, la bien. Garou, Patrick Fiori. Ouais, ouais. Qui y avait d'autres je sais plus. Il y a comment il s'appelle le corps. Daniel Lavoie aussi. Daniel Lavoie, c'est ça. Exactement. Fiori. Ah oui, le corps. Fiori, ça fait une heure qu'on l'a dit. On a dit mal à une heure et demie. Le temps des cathédrales. Et Esmeralda. Alors, c'était beau, c'était beau, ça. C'était beau. 98. La, 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 Il parle à la lune, le mec. Ouais. Ouais. Déjà, tu sais. Il a une mèche, il a une mèche qui, qui cache le soleil qui cache et qui est oui. la lune. Donc, du coup, ouais. C'est une mèche de bronzage. Salut les amis. J'ai demandé de la thune. 2005, c'était Indigène, avec prix d'interprétation. Formidable, hein, formidable hein, film. Formidable. À Cannes. Formidable et, moment. Il y avait cette chanson qui était assez gay. Ah, Mickey 3D, non ? Non. Non, non, non. Sin Semilla. Merci, poto. Merci infiniment. On reconnaît les fumeurs de joie. Oui, c'est un peu ça, ouais. Parce que je vous souhaite tout le bonheur. Ouais, c'était sympa. C'était sympa, oui. J'aimais beaucoup, moi, ce son. Ça bougeait. Ça. Ah, mais dès qu'il y a bonheur dans une chanson, c'est un tube en général. Ouais. Les gens ont envie de bonheur, qu'est-ce que vous voulez? À l'exception de La Maison du Bonheur de Francis Lalanne. Oui, mais, c'est... Non, mais il est où le bonheur? C'est pas un tube, c'est un tunnel. Il est où, ça. Il est où le trou? 2008, naissance du Jamel Comedy Club. Et on chantait. Coldplay, ouais. T'es fort, quoi! T'es fort, oui. On nous appelle la Dream Team. Je fais une grosse soirée avec Coldplay, vous avez entendu leur dernier album? Ah, c'est oui, top, carton. Qu'est-ce que c'est bien ça? Ça remplit les stades, ça. 2011, le premier Marrakech du Rire, si on accepte le numéro 0. Hein, ouais. Et on chantait. Ah oui, il y avait ça. Qu'est-ce qu'on chantait? Adèle. Adèle. Logan like you. Love you. Et est-ce qu'on peut laisser Patrice faire sa blague sur Adèle, sinon il va pas être content. Oui. Comment elle va, Adèle? Elle est morte, Adèle. Voilà. Oui. Ça, c'est réglé. C'est son running. C'est un petit rituel. Vous la piquez. Elle est bien si on la fait à répétition. Sinon, elle est nulle. Je vais vous le prendre, Patrice. Très bien, les amis. Je vais proposer. Je suis un grand fan. Jamel. Merci. Mais ne nous le rendez plus. Gardez-le. Attention, vous le gardez, je vous assure. J'étais enlevé quand j'étais petit. Eh bien, merci. Vous voulez pas une dernière? Allez. 2013, comment j'ai mangé mon père? Et on chantait. Je sais pas moi. Ah, Maître Gims. Maître Gims, hein? Oui, oui, Maître Gims. Eh, mais tu devrais faire de la radio, en fait. Ouais, j'ai un sujet. Bravo, Eric. Bravo, Eric. Et l'album était fort. Maître Gims. Et ben, connaît les paroles aussi. Bravo, moi, j'ai une petite culture musicale. Ah, ouais, ça se sent. Ça se sent. Ouais, mais t'as un beau CV, toi, en fait. Il y en a des lignes sur la page Wikipédia, là. Ça, c'est bien, Jamel. Oui, frère. Nous sommes toujours en direct du Palace Saadi à Marrakech pour les 6e Marrakech du Rire.
Et nous allons faire maintenant une battle. Dans un instant. Je crois que c'est Patrice Carmousse qui a eu envie. Pourquoi bah, expliquez ce que vous voulez faire. Parce que Jamel est un fan d'histoire comme vous. C'est vrai, j'aime beaucoup ça. J'ai l'impression qu'Alban, il connaît bien aussi. Oui. Donc on va faire un petit quiz histoire entre vous. Il tourne dans une série qui s'appelle La Petite Histoire de France. Absolument, c'est pour ça. Et bien justement, il va y avoir une battle, dans un instant sur RTL en direct de Marrakech. On sort les choses. Je crains le pire. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné, un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 € tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 juin, la nouvelle Opel Karl, désignée citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 €. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 11 et 12 juin selon autorisation. Vous entendez ? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam ! La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah ! Vous n'entendez pas la différence ? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande, avec toute leur diversité, sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est des steaks hachés. Cachés ? Chez Lidl ? Hachés ! En ce moment, pour fans de barbecue, ils font les deux steaks hachés de charolais à 2,89€. 2,89€ les deux steaks hachés de charolais ? Moins d'€1,45 le steak ? Ah oui, c'est le vrai prix. 250 grammes les deux. Et origine France, hein ? J'en prends pour votre barbecue ? T'es plus invité. Oh. On est mal, hein ? Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. 250 grammes, 11,56€ le kilo, 12% de matière grasse. Pour votre santé, évitez de grignoter. Mais il va avancer, lui. Oh. C'est vert. Tiens, goûte ce Tanzanie noir, 75% de cacao, de Réauté chocolat. Fabricant français. Oh, regarde le petit oiseau, là. Piou, piou. Découvrez-vous aussi l'effet Réauté chocolat, avec 16 nouvelles tablettes à partir de 2,95€. Réauté chocolat, 51 magasins. Pour votre santé, bougez plus. Oh, on a bien fait de l'acheter, cette maison. Je ne me lasse pas de la vue. Oh, par contre, je me lasse déjà des fenêtres. Attends, elles ont 25 ans, toutes neuves, quoi. Ah oui, mais 25 ans, si c'est pas Triba, ça tient pas. En plus, c'est le moment de changer. Pendant leur porte ouverte du 2 au 11 juin, ils offrent la pose sur les fenêtres, portes et volets. Et il y a 30% de crédit d'impôt. Bien vu. C'est pour qui, le confort et les économies? Pour nous. Et le concours photo sur Facebook depuis ma fenêtre, aussi. Triba, fenêtres, portes, volets, en alu, PVC, bois. Mais pas Triba, qui veut? Conditions détaillées, liste des 300 espaces conseils Triba sur triba.com. Votre lave-vaisselle vous rend service tous les jours ? Alors faites-lui plaisir ! En ce moment, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un maxi-pack de 38 tablettes tout en un Ultimate Sun, le second est à 0€ au lieu de 7,80€. Mais c'est jusqu'au 5 juin seulement. Avec Casino, prenez goût aux économies. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Il faut que je pense à faire ma vidange. 20 000 km, c'est la limite. Mais mon budget aussi est un peu limite. Avec Oscaro.com, vous pouvez facilement effectuer vous-même votre vidange. C'est possible. Oui, Oscaro.com vous propose de l'huile moteur adaptée à votre véhicule. C'est simple et très économique. Facile et pas cher, je me lance. Et actuellement, en commandant sur Oscaro, vous bénéficiez de 10€ de remise sur showroomprivé.com. Une offre 100% gagnante. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Stéphane Bern, à la bonne heure, sur RTL. Et nous sommes toujours en direct du Marrakech du Rire au Palais Saadi avec Jamel Debbouze, Alban Ivanov qui sera vendredi soir sur scène. Tout à fait. Avec Anne Roumanoff et toute la bande pour le gala des Marrakech du Rire. Et donc il n'y a que des Russes en fait. C'est quoi, c'est une thématique. On rachète. Marrakech du Rire. On a bien vu l'ambiance. Ouais. On voit l'esprit. Enfin, hein. Le Moscourage du Rire. Il y a un truc, il y a Franck Dubosc. Voilà. Du Bosc. Alors, Patrice, c'est quoi votre. Alors, un petit quiz oui. Histoire, d'accord. C'est parti. Jouer Alban Jamel. Adochine. Contre. Stéphane, vous pouvez aider Stéphane si vous voulez. Bien sûr qu'on va l'aider. On va pas le laisser. Vous souvenez du calendrier révolutionnaire, le nom des mois avait changé. Oui. Quel oui. Mois ne figure pas dans le calendrier révolutionnaire ? Pré-réal, fructose, floréal ou vendémiaire ? Fructose. Ah ben c'est fructose. Fructose. Oh, d'accord. Oui. Bah, laissez-moi répondre, les mecs, j'avais la réponse. Ça serait drôle. Alors, le traître dans la chanson de Roland, c'est Laurent Gamelon, Éric Lagamelle, Gamelle de Bouze ou Ganelon. Bah. À mon avis, c'est Gamelle de Bouze. Moi, j'aurais dit Laurent Gamelon. Gamelon, on est d'accord.
Quel est le grand événement historique qu'on commémore aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'ascension de l'Everest ? On est quel jour ? Un 2 juin. Oui. Le couronnement d'Elisabeth. Oui, c'est ça. Ou la naissance du maréchal Lyautey. Stéphane a donné un indice, hein, vous avez oui, remarqué. Moi, je dirais le couronnement d'Elisabeth II. 2 juin 1953. Et l'Everest, c'est pas mal. En fait, on l'a appris le 2 juin. C'est arrivé le 26 mai. Ouais. Mais le temps que la nouvelle arrive à Londres... Bah, il faut du temps. Le pigeon a mis du temps. Et le maréchal Lyautey, non. Mais il représentait la France au Maroc. Et vous connaissez la phrase de Clémenceau sur lui ? Ah non, vous n'allez pas la dire. Vous pouvez la dire ou pas ? Ah non, c'est pas à cette heure-là. Vous bah, dites-le quand même. Non, mais non, c'est trop tard. Là. Qu'est-ce qu'il lui propose ? Il a des couilles au cul et c'est pas toujours les siennes. C'est Clémenceau qui disait ça de lui. Oui. Alors, qu'est-ce que les couleurs ? Attention, là, c'est une question d'apprécié. Est-ce qu'il était homo sapiens Oui. Il faut croire. Je savais pas du tout ça. Et c'est l'année où on chantait beaucoup la queue leu-leu. Si je me souviens bien. Il avait levé une armée, ça s'appelait. Oh, c'est bon, là. Allez. Ça y est, c'est parti. Voilà, c'est... La ville la plus peuplée du Maroc. Casablanca. Je dirais ça. Casablanca. Rabat, ensuite, non, Rabat est loin derrière. Ouais. Parce que même Marrakech est plus peuplé que Rabat. Exactement. Parce que Rabat, c'est juste la capitale officielle. Moi, j'habite à Clichy, c'est la ville où il y a plus de Marocains en France. C'est vrai, j'habite Clichy. Et quelles sont, alors attention, là aussi, c'est rapidité. Quelles sont les couleurs du drapeau marocain ? Eh ben, c'est rouge et vert. Rouge et vert. C'est l'étoile, ouais, l'étoile verte. Laissez notre autre répondre. On parle sous le contrôle de Jamel. Alors, c'est une étoile verte sur un fond rouge. Voilà. Ça, c'était la vraie bonne. Stéphane, c'est pas mal. Vous pourriez peut-être présenter une émission qui s'appelle Secret d'histoire. Ça vous dirait pas ? Eh bien, écoutez, c'est un bientôt, il y aura un secret d'histoire du Maroc. Ah. Et on sera dedans. Sur le Louis XIV du Maroc, qui était Moulay Ismaël. Exactement. Ah, voilà. Voilà. Je crois que on attend les autorisations de tournage, mais ça va être tourné au Maroc. Voilà. Tant mieux. On y travaille activement. Eh ben, merci beaucoup de m'aider. Eh bien, j'ai juste le temps de remercier les uns les autres. Alban Ivanov, merci beaucoup d'être passé sur le plateau d'À la Bonne Heure en direct de Marrakech au Palais Saadi. On vous retrouve vendredi soir dans le gala du Marrakech du Rire. Oui. Et puis on peut aller vous voir sur scène. On va mettre d'ailleurs sur le site d'RTL et le Twitter d'À la Bonne Heure toutes les références pour aller vous applaudir. Merci beaucoup. Allez le voir, il est très marrant. Il est formidable. Merci Jamel, c'était un bonheur. Et bravo pour ce que vous faites. Merci infiniment d'être venu. Merci de nous avoir soutenus. Merci à vous. C'est pas simple de délocaliser RTL ici à Marrakech, vous l'avez fait. Mais merci infiniment, franchement. Et merci d'organiser ces 6e Marrakech du Rire. Je sens qu'on a déjà bien commencé à rire. On va continuer et on continuera demain puisque nous serons en compagnie d'Elysée Moon et d'Adriana Six fois sept. Et Adriana, 1m24 de jambes. 1m24 de jambes. Mais là, c'est la tête que je verrai puisqu'elle sera assise à vos côtés. Enfin, à nos côtés, je veux dire. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée. Bon courage pour ceux qui sont dans l'eau. Et on pense à eux. RTL, il est 12h30.